les cyberattaques n'émanent pas toujours de méthodes de piratage sophistiquées. Le simple fait d'ouvrir la pièce jointe d'un email peut donner un point d'entrée aux pirates pour infiltrer un réseau ou un ordinateur. Waouh ! Je veux dire, j'ai déjà vu des gens promettre moins et faire plus, mais là, c'est impressionnant. De quoi parles-tu ? Cher client, veuillez trouver ci-joint la dernière facture comme convenu. Ils doivent vraiment être en avance sur l'échéancier s'ils envoient déjà la facture. La facture s'appelle juste pièce jointe 1 ? Ce n'est pas comme ça qu'ils les nomment d'habitude pour qu'on puisse retrouver le fichier. Peut-être qu'il était pressé. Et j'ai l'impression que cette adresse email est un peu louche. C'est quoi ce caractère ? Il a sûrement envoyé l'email depuis son téléphone. J'y jette juste un coup d'œil avant de le transférer à Paul. Sans le faire exprès, Annie a peut-être donné à un pirate accès à son organisation en ouvrant cette pièce jointe suspecte. C'est aussi simple que ça. Une petite erreur d'un employé peut exposer tout le système. Les pirates maîtrisent l'exploitation des vulnérabilités des systèmes informatiques et des comportements humains. En effet, sans le réaliser, vous avez développé des habitudes sur Internet qui pourraient mettre la sécurité de votre organisation en péril. Par exemple, vous cliquez sur des liens dans des emails, des sites Internet et des fenêtres contextuelles sans faire attention. Disons que vous recevez un email qui semble venir de votre banque, sur votre boîte personnelle. Sans réfléchir, vous cliquez sur un lien vous demandant de confirmer vos coordonnées. Or, lorsque vous cliquez, vous êtes redirigé vers le site d'un cybercriminel identique à la page de connexion de votre banque. Si vous vous identifiez sur cette page, vous donnez directement accès à vos comptes bancaires aux cybercriminels. C'est ce que l'on appelle l'hameçonnage, et cela peut tout à fait se produire au travail. Nous aborderons l'hameçonnage et nous parlerons d'autres arnaques appelées ingénierie sociale dans quelques instants. Le téléchargement de logiciels ou d'applications non autorisées est aussi un comportement risqué. Cela crée des failles de sécurité que les pirates peuvent exploiter. Maintenant, parlons un instant des mots de passe. Un mot de passe faible, qui se devine facilement, ou qui comprend des mots courants, est un point d'entrée pour un pirate dans un système normalement protégé. Par pragmatisme, on a tendance à utiliser un mot de passe simple et à utiliser le même pour différents systèmes. Pourtant, vous devriez toujours suivre les exigences de l'organisation sur la création de mots de passe à la fois uniques et complexes, et ce, pour chaque système, afin de garantir plus de sécurité. Un autre risque est d'utiliser des appareils et réseaux non sécurisés. Le matériel amovible, comme les clés USB, par exemple, se perdent facilement, et des informations non cryptées peuvent alors tomber entre de mauvaises mains. Les connexions Wi-Fi non sécurisées sont aussi particulièrement risquées. En déplacement, connectez-vous toujours à un réseau Wi-Fi, protégé par un mot de passe, et au réseau privé virtuel de votre entreprise, appelé aussi RPV. Consultez et suivez les politiques d'accès à distance de votre entreprise. Je pense que j'ai fait une bêtise. Ok, que se passe-t-il ? Eh bien, je travaillais dans la salle d'attente de mon médecin hier après-midi en attendant mon tour. Rémi m'a appelé pour demander les résultats financiers qu'on lui avait promis. J'avais oublié de les envoyer avant de quitter le bureau le matin. Quoi, tu ne l'as pas encore fait ? Si, mais ça m'avait juste échappé. Le fait est que le RPV n'arrêtait pas de me déconnecter et me reconnecter, donc je l'ai fermé. Du coup, tu as utilisé le Wi-Fi du cabinet médical ? Oui, mais il est sécurisé. Non, il faut un mot de passe. As-tu pensé à crypter les fichiers avant de les envoyer ? Malheureusement, non. Contacte le service informatique. Tout de suite. Vous êtes aussi tenté de désactiver les fonctions de sécurité de votre PC ou de votre appareil mobile, comme les antivirus ou les pare-feux, ou, comme Sylvie, le RPV. Même si cela accélère votre ordinateur ou vous permet d'accéder à des pages web bloquées, vous êtes aussi plus vulnérable. Les failles de sécurité ont aussi lieu hors connexion. Être inattentif à la sécurité physique peut entraîner le vol de matériel ou de documents imprimés et l'accès non autorisé aux données. Assurer la sécurité physique, c'est contrôler l'accès à vos locaux, surveiller les visiteurs et détruire les documents papier pouvant contenir des informations sensibles.
Sans la participation active des utilisateurs finaux pour assurer la sécurité informatique, une petite erreur peut se transformer en un gros problème. Donc, si vous avez une raison de suspecter une tentative d'intrusion ou une faille de sécurité avérée, signalez-le immédiatement. Le service informatique est compétent pour enquêter sur la situation. Plus une vulnérabilité dure dans le temps, et plus le danger risque d'être important.